tombe bien que tu fasses ça d'ailleurs. On est dans la séquence blague pourrie. Et sachant que le cadre n'est pas assez large, on ne voit plus le ponton. Séquence. C'est marrant parce que quand même mon érection est quand même beaucoup plus efficace que la tienne, tu vois. Remarqué. Ouais, non, mais parce que moi il n'y a rien qui m'excite, mais je trouve que tu es un petit peu fatigué. Ouais, non, mais ça me touche que tu aies une érection comme ça, sachant qu'on est que deux dans le studio. Mmh, je fais ce que je peux. Je travaille, c'est mon imagination. Sache-le, je suis un comédien. Comédien, tragédiante. Grâce à cet imaginaire, je peux faire fonctionner mon corps. Oh. Non, c'est vrai que je sais pas. Séquence blague du jour. La blague du jour, c'est la séquence que tous les invités font et viennent quand ils viennent ici. Cette phrase était bien pourrie, hein, ouais. Vraiment. Donc en gros. C'est pas top comme phrase, hein. En gros. Tu veux la redire ou pas? Non. Bon, alors enchaîne. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est me raconter une blague super pourrie, mais qui t'a quand même fait rigoler malgré tout. Il m'a fait quand même drôle mais rigoler, c'est ça? Quelle drôle de phrase encore. Eh bien. Ouais. Eh bien, je l'ai mise dans le spectacle. Pourquoi est-ce que les schtroumpfs sont bleus? Parce que pourquoi les schtroumpfs sont bleus, ça ne veut rien dire. Ouais. D'accord. Pourquoi les schtroumpfs sont bleus? Bleu. Ouais. Bleus. Pourquoi les schtroumpfs sont bleus? Parce que leurs culottes sont trop serrées. Elle est bien celle-là, elle est bien pourrie. Ouais, elle est bien pourrie. Elle est bien pourrie. Elle est dans le deuxième spectacle, celle-là. Celle-là, ça compte pas. C'est une anti-van, c'est-à-dire que tu fais une blague pourrie pour faire après. Oui, je vais dans le deuxième spectacle. Et les gens se marrent sur. Ah oui, dans le spectacle. Ok. Donc si tu vois, elle sera déjà là encore ici. Alors, donc tu veux que je fasse une autre blague pourrie? Ouais, une vraie pourrie. Alors. Que tu n'as pas dit encore. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est sur le bord de la route. Et elle a sa robe est déchirée, elle est en sang et sur le bas-côté il y a une voiture, une voiture où il y a deux cadavres, un homme et une femme, sans doute son père et sa mère. La petite fille elle pleure, elle pleure. Là il y a un monsieur qui s'arrête sur la route et fait « Mais qu'est-ce qu'il y a ma petite fille ?»« Papa et ma maman ils sont décédés !» Et lui, il ouvre sa baguette et fait « C'est vraiment pas ton jour de chance, ma petite. Elle est horrible, on est d'accord? Non. Elle est horrible. Non. Elle est horrible. Non. C'est quand je m'ennuie dans une soirée, je la raconte comme ça, ça fout une ambiance absolument pourrie et des gens m'emploient l'humanité. Ah ouais, voilà. Non, moi j'aime bien, moi, avec tu racontes des blagues avec des guest stars Francis Home, des trucs comme ça, j'aime bien ces blagues. C'est bien, bon. Ouais. Allez, bon, elle était pas pourrie, elle était bien. Jingle, on enchaîne.